Salutations spéciales à toutes les amies qui branchent la télévision nationale d'Haïti. C'est avec un pile plaisir que nous avec le dernier sorti journal Mitan Journée pour ce maintenant. Nous disons tout le monde bienvenue. Nous avons démarré avec ça qui concerne la caravane changement dans Sud-Est. Pour une fois qu'on est direction départementale Sud-Est, TPTC, recevoir flotte équipement PAL jeudi 8 février pour faire travail caravane changement. C'est président de la République, la Jovenel Moïse, qui remet équipement SAYO en présence autorité locale. Matériel SAYO pour aller faire travail kirage, drainage, construction route et assainissement dans le département Sud-Est. Reportage Sabine Jean-Étienne et Jean-Naël Duvernay. Population Sud-Est là, avec autorité locale, accueilli en grand pompe président Jovenel Moïse dans la ville Jacmel. Sénateur Joseph Lambert expliqué, département Sud-Est là, 7e département qui recevoir l'eau équipement pour faire travail caravane changement, gain en façon spéciale pour collaborer avec chef l'État dans l'initiative ça. L'unité, la solidarité, l'entente parfaite, c'est ça qui doit commander comportement nous en tant que responsable l'État. En tant que sénateur de la République, en tant que député du peuple, en tant que président et parlement, en tant que exécutif et pouvoir judiciaire. Moi, je dis nous toutes merci. Mais nous-mêmes, nous avons 25 millions de gouttes sous budget que nous mettons comme fonds de développement départemental. Et en plus de ça, nous avons un sénateur Dieu Pitou qui a 25 millions de gouttes sous budget. Dans l'argent, ça. Lorsque nous montons l'hélicoptère, nous mettons d'accord pour nous faire qui ça avec elle? Pour que nous prenions l'argent ça, pour nous mettre ensemble, pour nous faire caniveau. Zoranger, qui t'en promesse. Ande la bidou, qui te promesse. Ande Kavof, qui te promesse. Ande Monchil, qui te promesse. Lamandou, qui t'en promesse. En dans Baya, en dans des Montreuil, pour nos promesses, pour nous continuer, mettre, faire avec l'argent pour continuer route la montagne, pour chavirer sous brésilienne. Et après ça, nous allons continuer à mettre avec des députés, pour nous prendre l'argent, nous, pour nous faire caniveau dans la ville. Parce que le département sud-est, ce n'est pas Jacques Mel. Département Sud-Est, ça c'est Jacques Mel comme commune, mais c'est l'autre neuf communes qui gagnent dans le département. Président Jovenel Moïse présenté population en liste projet administration Languien pour Sud-Est PIA dans niveau infrastructure routière, touriste et l'autre encore. Chef l'État a dit qu'il y a disposition qui prend pour matériel l'État joue un plus bon traitement. Lundi, monsieur, chaque direction départementale a bien pour faire 100 km route chaque année. Ce n'est pas là que je vais laguer le directeur pour contre lui. Le ministre n'a pas parlé pour le directeur pour laguer le temps pour petit misangado. Le ministre n'a pas parlé directeur à gaz. Tout équipement ça nous est là, il a acheté sous un contrat, réparation par contre l'État, entretien par contre l'État. Les roues en panne, c'est pour venir ranger tout de suite. Pas de question d'équipement en panne pour le directeur départemental à casser tête lui. Tout équipement, il y a 12 000 heures garanties ou bien 4 ans garanties. Tout que l'État va gagner, il a dépensé pour réparer. Avec dit depuis on panne vin ranger c'est comme ça équipement yo acheté ça veut dire direction départementale là directeur seul souci l'a gagné ces affaires gaz bon mes soucis là réglé ça veut dire il y a 30 000 gallons de gaz chaque mois qui pour faire tout équipement marcher et peuple là pour me dire nous ça pour nous connaître tout et m'a dit publiquement directeur gaz là c'est côté équipement à travail compagnie qui gagne contrat. Il va aller mettre gaz dans l'équipement directement. Pas gagner équipement pour mettre gaz dans le courant. Je dis à m'dit nous, manque 19 mois pour payer gagner courant 24 24. Jacmel c'est pas dans pays allié. Département sud-est c'est pas dans pays allié. Et dans pays à sud-est ça. C'est dans sud-est ça lui. Et ben même gens, l'aime d'acheter équipement yo. Dans mois d'avril. Bon nèg qui dit bon président ça nous pas la bonne bonne bagali pas faire. Côté le pas joindre l'argent pour acheter plus l'équipement ça. Et puis je dis à mes yeux, équipement yon gambé. C'est même j'en ai coucou en tout. Président ça, quand elle joue une balle, ça l'a dit qu'on a 24 ou 24 ans. Elle met 19 mois. Et pas 19 mois, on a tant pour nous bailler courant. Elle dit, travail commence à faire études sous cascade bichon. A fait déjà, blanc sorti Canada, vingade déjà, qui ouais, qui tube qui a installé sous l'île.
étude ville Jacques Mel a fait pour qu'on combien mégawatts parce que nous avons 6 points de mégawatts diesel installé Jacques Mel. Nous pas dans question de diesel encore non. Dans fin semaine ça, trois départements qui étaient yo, NIP, Sud et Grand-Anse a recevoir flotte équipement pa yo. N'a rappelé dans moment n'a parlé là caravane changement a réalisé dans tout pays a. L'autre dossier dans le journal ça, député Thomas Sikla, Francis de la Cruz, réalisé une visite dans la commune li mercredi 7 février dans l'idée pour voir comment travail route cap fait là dans deuxième section Lociane, localité Savanette a avancé. Habitants yo bat bravo pour initiative ça qui pral permettre yo circuler plus bien. Yo souhaité plus route fait dans commune nan pour soulager habitants yo. N'a plutôt vite suivre un extrait. Et avant travail ça a commencé à nous même parfois moi même qu'à parler voilà mon petit moto c'est qu'on dit qu'on dit nan main juste pour moi faire en l'air parce qu'on pas capable passer puis sous nous pas une côté ou pas une côté petit moto à passer jodi hein que soit véhicule mon ta ka gagner ou rentrer dans zone là à l'aise à l'aise à l'aise tu veux dire peuple là content c'est raison ça tout pendant et opérateur a travail là. Et tout le monde s'est ressorti tout partout, toute Malari, Don Diego et Atonoav pour venir voir bel et travail qu'a fait dans la zone. Et nous disons merci, député, et nous disons merci, gouvernement. Mais avec le travail ça qui fait là, c'est comment nous sentons venir voir améliorer. Eh bien, nous sentons là, son gros, gros, gros changement qui gagne pour nous. Oui. Nous sentons ça va venir plus à l'aise pour nous. Parce que quand nous chita là, au carré, on taxi vient chercher ou si tu es malade. La vin poisson, sous ta gen pour mourir dans 10 minutes, avant qu'arriver et taxi à gata menon l'hôpital. Qui veut dire pour nous même nous sentir nous bien, nous sentir nous, même les nous pas dans la ville, mais sans nous sentir dans la ville, parce que nous avons même privilège avec les gens qui vivent dans la ville, parce que santé nous, on t'y a amélioré. L'autre dossier, Union européenne, notre tête collée à l'association citoyen progressiste pour avancement à reconstruction PIA et puis bureau 9e section communale Carrefour, mettez bout à projet assainissement de l'eau dans la localité Fombrange, jeudi 8 février. Projet assainissement de l'eau, ça pral et des moun zone. En suivant un extrait. Comité de gestion, chaque comité de gestion, il y a trois moun. Trois moun, ça c'est pour gérer. Exemple, surface à la kiosque, la mairie Sevoa, qui est un kiosque là, et le reste, chaque kiosque, il y a un comité de trois mondes. Par exemple, si tu dois distribuer, je dis à son monde qui vient bailler. Demain, il y a son lot qui vient bailler. Après, demain, il y a son lot qui vient bailler. Nous-mêmes, autorité locale, nous pourrons mettre avec la population pour que pour projet A, puis un projet durable. C'est ça que je dis à l'air. Et si on pas gérer, vous pourrez retourner dans le même système UPA pour un bon kit de l'eau. Il y a pour mettre sous tête sur vous. Quand vous avez des assos, vous pouvez passer les ouais. Vous avez le marché qui vaut 15 minutes pour venir avec un bon kit de l'eau à mettre la caille. Mais je dis à grâce avec les partenaires, vous avez tout le monde. Il y a bien possibilité pour jeunes de l'eau à la caille et il y a bien possibilité de vous prendre la question. L'autre information, plusieurs personnels dans l'hôpital communautaire référence Nicolas Armand dans la commune Akaye, campé travail à cause de mauvais traitement, yo di yap sibi depuis quelques jours, d'après porte-parole employé Louis-Jus Galem. Personnel sa yo fait diverses recommandations tant kou matériel pour l'hôpital là, nomination pour contractuel yo, souhaité autorité yo répondre à recommandations yo, yon manière pour yo reprendre travail yo dans l'hôpital là. Reportage Rodney Doléan ak Henri Robert Chéri. Sorti dans l'urgence, passé dans diverses salles de consultation, tombé dans le laboratoire et pharmacie qui n'a pas ça, constat yo montré aucun service pas disponible dans l'hôpital communautaire référence Nicolas Armand à Akaye. Une situation qui existait depuis quelques dates dans l'hôpital là, d'après lui juste Galem, un citoyen qui travaille dans l'hôpital ça. Pharmacie vide, laboratoire vide, et puis même dans l'urgence là, on va rien. Mettez sous équipement l'hôpital ça a pas gagné. Employé à Gajo qui représentait 80% dans l'hôpital communautaire à Kaye, a plus passé une année depuis au pas touché. Raison en plus qui poussait au campé travail depuis quelques jours. Côté que nous, ensemble employés à Gajo, nous représentons près de 80%. Et personnel qui travaille dans l'hôpital là, eh bien nous avons plus que 14 à 15 mois, nous avons 12, 13, nous n'avons pas jamais payé. Et nous avons une administration qui est en place, l'administration a retiré l'école, nous ne savons pas comment. Et puis tout arrière salaire, ça aurait été là.
Un nouveau conseil a bien pour remplacer directeur qui était en tête l'hôpital communautaire référence Nicolas Hamann avant longtemps, d'après un responsable dans l'hôpital ça qui pas décidé parler dans micro la presse. Citoyen ça souhaitait conseil cap venir pencher sous crise cap traverser l'hôpital là. L'autre information, ministère conditions femmes et droits femmes organise une journée porte l'ouvri jeudi 8 février pour ramasser cette documentation qui gagne dans le ministère. D'après ministre femmes et droits femmes, Enid Innocent, c'est grâce à support USAID et femmes en démocratie qui permettent ça relouvrir. Ministre conditions femmes et droits femmes n'en fait qu'on est, yo en mezi kounya pour recevoir n'importe qui étudiant qui voulait faire recherche sur égalité genre. On suit. Pour qu'il s'agisse de dynamisation sans ça, c'est parce que en fait, le ministère l'a constaté, peut-être que nous-mêmes, nous avons beaucoup en même temps avec nous, nous avons constaté ça, que de plus en plus, il y a un pile de monde qui est intéressé par la question de genre. Le ministère là depuis création en 1994, en dans une direction qui est la direction de prise en compte de l'analyse selon le genre, qui est encore des PAG, l'instituer ou bien l'instaurer en dans une entité qui occupe de questions de documentation selon le genre, documentation intégrée. Après le tremblement de terre là, en 2010, le ministère là était censé perdre toute saleté gagnée comme documentation dans ce centre là. Et alors que nous remarquons de plus en plus chaque jour, en pile étudiants, étudiantes qui ont fini, que ce soit en dans l'école normale supérieure, que ce soit en dans ethnologie ou bien dans l'autre faculté, il y a besoin de recherches, il y a besoin de documentation sur question de genre. Or, nous connaissons ministère conditions femmes et droits femmes, c'est entité qui est responsable pour faire atterrir politique égalité gouvernement en matière d'égalité de genre. Donc, grâce à support USAID, grâce à support femmes en démocratie qui viennent journée aujourd'hui à renforcer ça, nous dit que faut que nous relais public là, étudiants yo, anciennes étudiantes et nouvelles qui qu'on vienne faire recherche, qui qu'on besoin documenter, mais yo pas qu'on joigne assez d'éléments, donc nous dit journée aujourd'hui à faut que nous relais pour qu'on retourne pour nous dire journée aujourd'hui à centre là renforcé et que li prête pour qu'on joigne matériel que le ministère là, ok, gagne et puis les documents officiels de l'État aussi. Par exemple, on regarde sous table là, nous gagne politique d'égalité que l'État haïtien a adopté depuis 2014, ok, nous gagne là, nous gagne plan égalité en tout, nous gagne politique d'égalité. En même temps, nous gagne un pile ouvrage que les chercheuses haïtiennes, les poétesses, monde qui a écrit, nous dit aujourd'hui, l'eau là sous table là, donc c'est ouvert au public. Tout le monde qui est intéressé à la question de genre, tout le monde qui est intéressé à la politique d'égalité, nous disons, et le centre de redynamisation, ça, les ouvre à eux-mêmes, nous prêts pour nous recevoir, pour nous documenter, au centre ouvert pour nous faire recherche. L'autre nouvelle, Brasserie nationale d'Haïti, dans tête collée à Conan O'Brien, annoncé officiellement jeudi 8 février, il a fait don $100,000 américains par l'organisation HELP, Asian Education Leadership Program. Manager affaires publiques Brana, Régine René Labrousse, fait qu'on est Brana joignant entente à Conan O'Brien pour renforcer l'institution ça qui travaille dans le développement pays. Directeur national HELP, Gary Delis, Soubopal fait qu'on est, dont ça pour aider yo encadrer plus jeunes dans la formation professionnelle et universitaire, mais tout plus pour boost études et monde qui plus dans le pays. En suivant bout dans la déclaration, dans le micro, Darlene Dorival et Laure Darly Jean-Jacques. En tant que nous gagnons avec Conan, nous dit au lieu que nous mettons COP dans l'entreprise Conan, qui l'autre bon, qui ça nous a fait ensemble pour renforcer un programme en Haïti? Et puis, il me dit, moi-même, Brana, mettez $50,000 dans HELP. Conan dit, nous-mêmes tout. So, c'est ça qui est le lien. Au lieu que nous-mêmes nous payons une entreprise américaine, nous tous les deux nous mettons ensemble pour renforcer une institution haïtienne. Pour un monde qui n'a pas de rien du tout, qui n'a pas de même payer faire machine, et puis je dis, qui a $20,000, $30,000 américains dans l'année. Mais ce qu'on gris ou qu'on m'a bien couché pour écouter, mon a sorti sans espoir. Sans espoir. Et pour avoir l'opportunité, ça. Donc, on a qui changement qui fait dans la vie par eux et qui changement
et vous pouvez faire dans la vie l'autre monde. Et je vous dis l'autre chose qui est intéressant, c'est retour dans la communauté. Donc, étudiants pas concentrés en de rep dans Port-au-Prince, il y a étudiants qui tournent la caillou, à le bail service la caillou. L'autre nouvelle, carnaval là c'est pour 3 jours, mais conséquences c'est pour toute la vie. C'est message ministre condition femme acte droit femme là, un innocent lancé pour tout le monde qui prend plaisir pendant carnaval. Ministre demandé carnavalier yo prend précaution pour éviter drogue et alcool pendant li insister pour mesdames yo prend plaisir yo, mais pas oublier protéger tête yo. Yon extrait dans micro Marie Jolouis avec Rémi Godjit. Nous pral chanter, danser, célébrer pendant Haïti sous route changement. Carnaval, c'est espace pour tout le monde. Femme ou garçon, prend plaisir sans violence. Ministère condition femme et droit femme a fait tout le monde songer. Femme active doit participer dans carnaval sans passer de violence sexuelle, physique et verbale. Tout artiste, Didier, à groupe musique, by population en plaisir sans pas utiliser message cap dénigrer ou soit rabaisser femme. Carnaval, c'est un espace pour tout le monde venir fêter dans le respect l'un pour l'autre. Pendant la période carnaval, le ministère a pris poursuivre la campagne, l'a lancé depuis l'année 2007, là, respecter comme ses dignités. Pendant la présence, pour sensibiliser la population hein, sur respect droit à corps femme. Droit pour femme gen loisir, sans qu'elle saute, et puis accompagner femme active qui besoin d'assistance pendant la période. Ça. Mesdames, songez pour prendre toute disposition nous capables pour nous pas victimes tant que marcher en groupe pas boire alcool sans contrôle ou soit avec monde nous pas connaît et l'atelier toujours songez toujours réfléchir sur qui j'en a rentrer la caille nous les carnaval fini pas négliger protéger tête nous contre toute maladie nous ca prendre dans faire bagaille sans oublier protection nous ca prendre pour nous pas enceinte trop bonnet si nous pas vle ou bien si nous pas paré pour ça. Sous route changement, violence sous forme actifie pas la donne. Ministère condition femme ak droit femme a souhaité tout le monde à la roun bade, femme kon garçon, yon bon carnaval 2018. Journal la affaire Chimel, direction département patrimoine ak tourisme, institut supérieur études ak recherche nan sciences sociales IERA, organisé deuxième édition Festinaval dans le local faculté jeudi 8 février. Dans l'occasion, étudiants ont fait chita parler dans l'idée pour sensibiliser les acteurs concernés sur la façon dont ils organisent le carnaval dans le pays. Daniel Jennifer et Steve Casimir, étudiants patrimoine et touristes faculté IERA, attire attention autorité yo sur manifestation culturelle ça qui ka servi moyen pour rapporter l'argent dans l'économie pays a. Yon extrait dans micro Marie Dieudonne Hurtelou ak Rémi Godjit. Festnaval qui jodi an c'est deuxième édition qui gagne plus aspect touché kounya, c'est pas que sur peinture seulement. Donc avec des étudiants qui d'abord festival c'était projet collègue nous, mais avec des étudiants dans le département qui ici là, donc nous travaillons ensemble, qui c'est dans le domaine histoire, qui c'est dans le domaine patrimoine, qui c'est dans le domaine sciences politiques, pour nous comprendre l'activité carnaval dans la façon pour lire, et puis chercher pour nous comment nous sommes capables de mettre le carnaval dans la modernité, côté que nous capables permettre que toute qualité rang social, toute qualité monde dans la société, soit capable de profiter de l'activité. Donc c'était l'objectif là, c'est ça fois après que nous non seulement activité pertinent qui gagne aspect qui plus soit jeune et puis nous entrer question rara qui fait aspect patrimoine la caille nous surtout depuis nous rara nous antiquité nous patrimoine nous et puis nous fait l'autre aspect entrer là dans tout à coup gagne l'autre gagne conférencier surtout ces universitaires nous dans domaine là nous gagne les recherches que nous fait donc nous fait des conférences qui parle montrer valeur carnaval en Haïti et comment nous capable vendre activité ça dans cadre côté que nous capable rentrer font rentabilité pour pays nous basé sur une politique culturelle une politique touristique et une politique économique déjà nous connaît carnaval là qui sont manifestation culturelle gagnons des ordres qu'a fait là-dedans c'est-à-dire gens que collègue là te dit là même au niveau du thème carnaval là jazzio pas chita vraiment sur thème carnaval là ou du moins thème carnaval là supposé un thème qui est apolitique carnaval national comme une activité culturelle doit aller à l'encontre de tout ça qui vient pour avec politique. Déjà, pour politique touristique, là,
carnaval national supposé embrasser toute activité touristique qui a fait dans le pays. C'est-à-dire, Jean collègue là, te dit là, faut nous vendre une meilleure image au niveau réseaux sociaux. Même gens que voisins nous a fait, lui a servi avec réseaux sociaux pour être capable de propager toute activité culturelle yo gen la caillou. Moment arrivé, amis téléspectateurs, pour nous prendre une courte pause dans le journal ça, pas déplacé, n'a pas tourné tout de suite. Nous retournons à cette information. Merci pour fidélité à la télévision nationale d'Haïti. Dans le pays États-Unis, député américain a adopté une loi budgétaire vendredi 9 février 2018. La disposition a écarté menace système shutdown fédéral. Nous invitons à suivre. Aux États-Unis, plusieurs centaines de milliers de fonctionnaires pas prennent le chômage grâce à votre loi budgétaire dans le Sénat et dans la Chambre représentant. Accord budgétaire sur finance état fédéral yo a capable servir jusqu'à 3 mars qu'a venir là. 240 parlementaires voté pour alors que 186 voté contre texte ça. Dans Sénat républicain Rand Paul t'a empêché vote ça pendant plusieurs temps à cause pas d'accord avec relèvement dette yo. Accord prévoit augmentation dépenses yo pour plus passer 300 milliards dollars dans secteur tant coup défense et santé. 20 janvier passé à cause entente qui pas trouvé joindre sous budget ça. Administration Champlain est vouée dans le chômage fonctionnaire plusieurs ministères, services fiscaux et pacte national pendant 3 jours. La Cour d'appel Versailles a confirmé vendredi 9 février 2018 là, Jean-Marie Le Pen n'a pas fait partie Front National là encore. Cependant, la Cour a précisé décision ça a affecté statut en tant que président parti. Nous invitons à suivre. Dans le pays de la France, la Cour d'appel Versailles a allé dans le même sens avec décision tribunal instance Nanterre là, côté le confirmé exclusion Jean-Marie Le Pen dans Front National vendredi 9 février 2018 là. Cependant, la Cour d'appel Versailles a précisé décision ça pas affecté statut en tant que président d'honneur parti extrême droite là. Jean-Marie Le Pen rivé fait 25 000 euros dommages avec intérêt et qu'a siégé dans un bureau politique et puis Front National l'a doué Bali 5 000 euros pénalité pour chaque infraction constatée. Secrétaire général Front National l'a déjà annoncé, l'a interdit Jean-Marie Le Pen accès à congrès là qui prévoit dérouler dans l'île 10 à 11 mars prochain. Direction départementale Sud-Est TPTC recevoir flotte équipement PAS jeudi 8 février. Pour faire travail caravane changement, c'est président de la République la Jovenel Moïse qui remet équipement saillot en présence autorité locale. Une journée porte l'ouvri organisée dans le ministère conditions femmes et droits femmes dans l'occasion réouvertissant documentation ministère. C'est ça à permettre monde qui intéressé à question égalité femmes et garçons faire recherche sans problème. Brasserie nationale d'Haïti, notre tête collée à Conan O'Brien, annoncé officiellement jeudi 8 février, yon don 100 000 dollars américains by organisation HELP, Asian Education Leadership Program, pour renforcer institution sa cap travail dans le développement dans le pays. Voilà, amis téléspectateurs, je suis arrivé dans Boutli. Merci à vous-même qui t'avez suivi. Nous invitons à rester branchés Télévision Nationale d'Haïti pour suivre la programmation. Nous souhaitons déjà bon week-end et joyeux carnaval. Au revoir tout le monde.